commence par avoir une pensée particulière pour vous tous, voilà. Particulièrement ceux qui se trouvent sur le jeune continent. Je sais qu'il est particulièrement difficile pour vous de vous protéger durant ce temps de pandémie globale. Vous manquez d'eau, d'électricité parfois, et c'est très très difficile. Vous pensez à l'avenir, vous ne savez pas de quoi l'avenir sera fait. Vous êtes inquiet pour vos proches, particulièrement pour vos enfants et pour vos grands-parents. Donc, j'ai une pensée particulière pour vous, je vous dis, la Camerounaise, on est ensemble. Voilà. Ensuite, je tenais à vous remercier. Vous savez que j'ai perdu mon père le 20 mars dernier. Et je tenais à vous dire merci. J'ai reçu tant de messages. Je ne pourrais pas vous répondre à tous, mais je vous dis merci. Ces messages m'ont fait parfois chaud au cœur. Donc, merci. Ensuite, le but de cette vidéo, c'est de véritablement vous annoncer que oui, le 2 mai prochain, qui est un samedi, on sera ensemble. Vous savez que normalement, j'aurais dû être à Bonjour pour présenter mon livre et pour vous lire particulièrement ce chapitre dont le titre est « Il faut brûler Bonjour ». Donc, il n'est pas annulé. On le fera sur, ce sera notre dernier Facebook Live sur ma page Christine Adiafotso. Donc, vous avez rendez-vous avec moi le 2 mai prochain, qui est un samedi, à 16h30 Bonjour Time, donc 17h30 en de Paris. On va lire le bouquin, on va en parler. Si vous avez des questions par rapport à tout, je ne me défilerai pas. Si je ne peux pas répondre à vos questions, je vous dirai pourquoi. Il y aura une explication. Voilà. Donc, je donne le mail pour m'envoyer des questions. C'est questions avec S hein, à fotso.org. Ou si vous voulez me contacter pour autre chose, c'est contact à fotso.org. Voilà. Et vous connaissez évidemment le mail pour les insultes, c'est insulté avec Z, fotso@gmail.com. C'est très 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 simple pour me contacter. Vous pouvez envoyer vos questions, je trouve ça très très simple. Vous m'envoyez par la messagerie Facebook. Hein. Par les questions d'en bas, en bas de la vidéo, vous pouvez me poser vos questions, ou voilà, vous trouvez le moyen de me contacter. Voilà, mais après le domaine, nous passerons sur YouTube. Donc, merci déjà de vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc voilà, c'est Christelle Nadia, donc c'est YouTube/ Christelle Nadia. Donc, c'est très, 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 très simple. Voilà, et puis on va aussi faire des choses sur Instagram et avancer. Donc, très, 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 très simple. Donc, rendez-vous le 2 mai prochain à 16h30. Bonjour Time, donc 17h de Paris, de Bruxelles, etc., etc., etc. On avance, les gars. Donc voilà, pour terminer, je tenais à vous dire deux choses. Donc, une sur moi. Je fais le pari. Vous savez, beaucoup de gens vont me raconter n'importe quoi, parce qu'ils ne me connaissent pas, parce qu'ils n'ont pas lu mes livres, parce qu'ils n'ont pas lu mon livre, c'est décidéré. C'est un livre qui est, plus actuel que jamais. Donc, le poids des mots, ceux qui ont les mots, ceux qui veulent comprendre, ceux pour qui mon père était quelqu'un d'important, ceux qui veulent comprendre pourquoi j'ai passé du temps à dire ce que j'ai dit, ceux qui veulent, qui ne comprennent pas le Cameroun, ou même l'époque actuelle, voilà. Lisez ce livre et on en parle la semaine prochaine. Toutes les questions, donc surtout, voilà. Mais je tenais à vous dire simple, je fais un pari qui est très 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 simple. Voilà. Donc il est tellement simple qu'il va paraître fou. Tous ceux qui ont lu mes posts ces derniers mois savent que j'aime Jean-Michel Cancan. Jean-Michel Cancan, il avait cette phrase à la fin d'un essai, très très beau sketch, qui était, il disait à une femme qui avait essayé de le draguer pour l'escroquer, pour lui soutirer de l'argent, il lui disait, tu vas mourir un jour. Donc moi, je suis de Paris que je ne veux pas mourir ou vivre un jour. Voilà. Donc je vais me faire moi-même et je vais me porter. C'est pour ça que je dis, dans mon hommage à mon père, que je prenais le chemin de Manhattan. Je vous en parle la semaine prochaine, 2 mai, à 16h30, Bonjour Time, donc 17h30 hors de Paris, ou de Bruxelles, 10h30 hors de New York. On en parle. Ensuite, dernière chose, vous savez que le titre de cet événement, c'était Christelle Nadia Fotso va brûler Bonjour. Donc, je sais que la question que vous allez vous poser, c'est est-ce que Christelle Nadia veut brûler Bonjour? Je vous laisse avec cette réflexion que je vais développer la semaine prochaine en vous disant une chose très, très, très simple. Christelle Nadia Fotso n'a pas besoin de brûler Bonjour. Bonjour brûle. À très bientôt. La semaine prochaine, inscrivez-vous, likez la vidéo. On est ensemble. Je vous en parle. On va développer. On va prendre le temps. La semaine prochaine, à 16h30, sur ma page Facebook, Christelle Nadia Fotso. Donc, je vous embrasse. Il y a des gens que je ne citerai pas. Je vous appelle bientôt. À tous ceux, mes copines là. J'ai promis de vous appeler, on va recontacter, voilà, merci. Vous savez qui vous êtes, donc je ne peux pas tous vous citer, mais merci, on est ensemble, les gars. Et je vous dis, on va construire. À très bientôt.